Bonjour, une vidéo pour présenter l'intérieur de System.io. Donc, je vais partager l'écran dès que je le retrouve. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau de bord System.io. Donc, tunnel de vente. Donc, là, oups, je vais décaler ma petite fenêtre pour en créer un tunnel. On a plusieurs choix. Donc, soit on construit une audience, soit on vend un produit, soit on se fait un tunnel personnalisé, soit il y a un tunnel spécial pour les replays d'un webinaire. Il faut savoir que sur System.io, c'est uniquement des webinaires enregistrés. Donc là, attirer des contacts pour une nouvelle liste d'emails. Donc c'est celui-ci que je vais mettre pour le bootcamp. Bootcamp, voilà, construisez. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir différents exemples de tunnels possibles. Donc, du plus simple. Ah, je me suis trompée. Je refasse. La deuxième visualisation. Voilà aussi qui est très simple. Le troisième. Là aussi qui est simple. Quatrième. Juste les places des photos et les emplacements qui changent. Un autre. Là, encore un autre. Donc on choisit finalement la page qui nous plaît la plus. Il y en a d'autres. Ici. Ils sont pas très longs, hein, de toute façon, à chaque fois. C'est vraiment court. Page vierge. Celui-là, voilà, qui va être plus long. Ce modèle de tunnel va être plus long que les autres. Celui-là, c'est juste une page de capture aussi, c'est tout simple. Voilà les différents types de tunnels que l'on peut créer avec System.io. Si je prends, donc, n'importe, si on prend même le plus compliqué, on va sélectionner celui-là. Celui qui est le plus complexe. Donc, on va ici sur le petit crayon pour modifier. Et à partir de là, on va pouvoir tout modifier. Là où je passe avec ma souris, l'image, je peux la modifier. Au-dessus, il y a des textes, je peux les modifier. Là, les cadres, je peux les modifier. Ici aussi, partout où il y a des encadrements, en fait, on peut modifier ce qu'on va mettre dedans, on peut modifier la couleur, on peut tout changer. Voilà. Peut absolument tout modifier, donc à l'aide des informations qui sont là. Par exemple, là, si je veux rajouter un texte, eh ben, je rajoute un texte. Voilà, si je veux rajouter un titre, je rajoute un titre. Et je mets le titre que je veux. Si je veux rajouter une vidéo, je rajoute un emplacement pour une vidéo. Et ensuite, je peux aller sur la petite roue ici pour inscrire là à gauche le type de vidéo que je veux y mettre. Ensuite, on revient là. Je peux y ajouter des sections avec
des morceaux finalement que je vais remplir après. Voilà, et dans ces sections, je peux rajouter un audio, je peux rajouter une photo, je peux rajouter vraiment absolument tout ce que je veux, je peux tout construire comme je le souhaite. Donc voilà l'intérieur d'un tunnel. Donc là, c'est un tunnel de capture de mail. Il n'y a pas de bon de commande qui est noté dessus. Hop, voilà le... Donc voilà la visite de Systemio de l'intérieur pour un tunnel pour capturer les mails.